Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc au potager qui dit non. Aujourd'hui, on va planter les échalotes, l'ail et les oignons également. Donc, j'ai dégagé une partie du foin qui couvrait un peu la parcelle en extrémité ici, et puis je ferai la même chose dans le milieu de la parcelle. Et on va procéder à la plantation de ces bulbes et bien sur butte, hein, on va buter légèrement. Je vais également apporter un peu de sable de manière à obtenir un sol qui soit le plus filtrant possible, et puis voilà, la plantation s'effectuera sur ces petits talus de manière à ce qu'il n'y ait aucune rétention d'eau et qu'on puisse obtenir en tout cas espérer de bons résultats. Alors, la bonne surprise, c'est en soulevant un peu ce foin, ben, de retrouver une structure tout à fait intéressante en dessous. Le sol est vraiment meuble. Voilà, il n'y a pas de croûte qui aurait pu se former suite aux précipitations de cet hiver. C'est vraiment, je comprends là vraiment bien déjà à cette époque tout l'intérêt de ce paillage de foin. Alors, vous pourriez me dire, ok, alors mettre du foin c'est bien, mais pour l'enlever au moment de planter, est-ce que c'est vraiment pertinent? Eh bien, je pense que oui, puisque là où il n'y aura pas ces bulbes, eh bien le foin reste en place. Autour des petits pois, par exemple, qu'on a planté récemment, le foin est toujours en place. Et voilà, là où il est, ben il continue à faire son boulot et à protéger et à alimenter le sol dans le même temps, quoi. Donc je pense qu'effectivement c'est quand même intéressant. Les bulbes, c'est vraiment une exception. Ce sont des végétaux qui n'apprécient pas la rétention d'humidité, et maintenir le foin par-dessus ou tout contre ces échalotes, oignons, etc., ça serait sans doute pas une bonne idée, quoi. Allez, on y va. Alors voilà, on est parti donc pour la plantation proprement dite. Mes petites buttes sont prêtes. On va commencer par des oignons jaunes. Alors Stuttgarter Riesen. Voilà, oignons de Mulhouse. On y va. Il commence déjà à germer d'ailleurs. Alors le truc, c'est de venir les planter sans faire de trous préalablement, de manière à ce que le cul de l'oignon soit bien en contact avec le sol sans qu'il y ait de poche d'air en dessous, et on vient juste laisser passer la pointe en surface. Voilà, c'est tout simple. Alors, je vais peut-être déjà les positionner à l'avance et je les enterrerai après. Voilà. Attention évidemment à les mettre dans le bon sens. Les précautions à prendre sont les mêmes finalement que pour les bulbes d'ornement. Voilà. On va continuer ici. Voilà. On peut resserrer maintenant. Ils ont tous été mis en place. Voilà, on resserre un peu. Ils ne sont pas proprement parlé enterrés, quoi. Voilà, donc on continue avec ces oignons jaunes. Et de toute façon, on fera la même chose ensuite avec les échalotes, les oignons rouges et un peu d'ail, dont on m'a dit que ça pouvait également se planter avant l'hiver. Alors je pense qu'il ne s'agit peut-être pas de la même variété. Voilà,
Donc là, je procède à une plantation donc sur butte en quelque sorte. Hein. Il s'agit de petits talus destinés à être bien drainants, un peu sablés comme ça. Un peu sur le conseil finalement de mon copain Gervais qui a obtenu des résultats satisfaisants de cette manière. Ça semble garantir vraiment le substrat sec ou en tout cas sans excès d'eau dont ont besoin ces plantes-là. Au niveau de la répartition dans les planches, j'ai pris soin bien évidemment d'éloigner les plantations d'oignons, enfin de tous ces bulbes-là qui sont des aliacées. J'ai pris donc soin de les éloigner des fabacées déjà plantées, hein, c'est-à-dire les petits pois, enfin déjà semés plutôt, hein, les petits pois, puisque tout le monde semble s'accorder à dire que ces deux familles ne font pas bon ménage. Alors voilà, la plantation d'ail est terminée. Après les échalotes et les oignons jaunes, il me restera les oignons rouges à mettre cet après-midi. On va y mettre la petite étiquette qui va bien. Voilà, super. C'est vraiment un motif de grande satisfaction. Le potager démarre enfin. On y a enfin mis quelque chose. Donc ces bulbes et puis les petits pois. D'aucuns penseront qu'il est beaucoup trop tôt et sans doute avec raison. On est un petit peu grisé, je dirais, hein, par le projet, quoi. Voilà, on est enthousiaste. Bon, allez, on démarre. Par ailleurs, il y a quand même l'ail notamment et puis les oignons jaunes qui commençaient à germer assez bien. Il faut peut-être aussi savoir se mettre à l'écoute un petit peu de la nature et puis il fallait peut-être y voir aussi un signe de selon lequel voilà il était peut-être temps de les planter tout simplement. Hein. Bon, on verra si l'avenir nous donne raison ou pas. Ça dépendra un petit peu des conditions climatiques, je pense. Pour ce qui est de la plantation en elle-même, voilà, j'ai opté pour cette solution-là, donc encore une fois sur le conseil du copain Gervais qui cultive de cette manière un peu au-dessus avec succès. J'espère que ça fonctionnera aussi. Tout a été fait pour que le sol soit suffisamment drainant. Hein. Bon, on verra bien maintenant ce que l'avenir nous réserve. Voilà, sur cette première plantation donc. La bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai fait quelques rencontres sympathiques, plutôt chez les endogés essentiellement, mais aussi un anésique ou deux. Donc voilà, sous le foin, ça a pas mal travaillé. C'est plutôt bien peuplé, beaucoup plus que là où j'ai creusé pourtant vraiment profondément pour enterrer la bâche de la serre. C'est-à-dire que là, en creusant, j'ai rencontré très peu de vers de terre, alors qu'ici... En surface, j'en ai vraiment rencontré pas mal. Le fait est que là où il y a la serre, c'était pas paillé, hein, il n'y avait pas de foin. Donc, il y a une corrélation, à mon avis, très claire. Hein, là, la démonstration est faite, hein, ça fonctionne très bien. Donc, il n'est pas exclu non plus que je vienne remettre un peu de foin au niveau des sillons intermédiaires, là, entre les buttes, un peu plus tard, de manière à limiter l'entretien, parce que je suis un peu flemmard, quoi. On verra selon les conditions, parce que je ne tiens pas du tout à faire une rétention d'humidité par contre. Bon, ça reste encore à étudier, on verra un peu ce qu'on fera, quoi. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.